Bon ben salut, aujourd'hui, une petite vidéo de découverte. On attend tous en fait le déblocage de la grande villa psychique et des guildes ou fans d'exploration ont eu la gentillesse de faire passer l'info. Du coup, bah, j'en étais récipiendaire et je peux vous dire que la villa elle est magnifique. Pour y accéder en fait en visite, faut aller du côté d'Arteum. Voilà, on prend l'oratoire. On se dirige ici exactement et on arrive aux ruines. C'est très 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 beau. Les ruines du collège du psychique, on rentre. Prends la première à droite. File. On continue. Arteum, c'est normal. Là on a un petit puits. Le portail vers la grande villa psychique. Donc début octobre, hein, je rappelle. Avec le familier et la monture. Et on peut visiter cette superbe demeure que bah, tous les joueurs pourront avoir de façon gratuite. Alors, bah, c'est très très joli. On a des très belles vues. La demeure, elle est magnifique. On va se faire une petite vision. Voilà. À la première personne. Donc les extérieurs, il y a de la place. On peut mettre des ateliers, on peut mettre tout ce qu'il faut. Des petites fontaines de partout. Les petits nénuphars. C'est dommage, il manque les grenouilles. Pas tout avoir. Alors que les grenouilles psychiques, ça doit être bizarre quand même. Donc on peut aller un peu de partout. L'autre côté, il est identique. Et on va aller faire un tour à l'intérieur. Parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde. Cette superbe bâtisse. Petit hall d'entrée. Que et vous faites la chanson comme certains, ça devrait pouvoir résonner dans le coin. Bon, c'est l'aile nord. On va mettre des chambres. Moi, je pense à quelqu'un qui est emmuré derrière, mais on n'ira pas voir. On repasse au grand salon. Je pense qu'il y a l'aile sud. Toute logique. Bon, c'est une petite pièce. Et non, on l'a déjà fait. Petit feu de cheminée. C'est pas mal. Il reste les sous-sols et l'étage. Là, on a déjà visité. Hop. Voir les sous-sols. Par la suite. Donc, l'étage, hein, c'est. Voilà. Je pense qu'on va se faire une petite bibliothèque ou autre. Je pense que vous pouvez cacher vos coffres. Au moins, on saura où les chercher. Et puis, voilà, petite mare. Ça peut toujours aider. Bah, j'espère que la visite a été intéressante. Niveau architecture, niveau décorum, bon, c'est assez répétitif là, mais je trouve que c'est bien agencé, on va dire. Ouais, c'est très très sympa. Donc de façon gratuite, un gentil don. Je sais pas si c'est pour se faire pardonner leur lag serveur
à fréquence répétitive. Mais bon. En tout cas, c'est une belle chose. Allez, à plus!